Les gars, arrêtez, je suis pas un voleur. Ouais, ouais, c'est ça, dis-le à tes amis. Ah, c'est quoi ce bordel? Souris, idiote, on est en train de te filmer. Ok, alors vérifions si tout le monde est présent. Camille? Présent. Gabi? Ici. Les jumelles? Ici. Benz, le joueur de basket? Enlève tes pieds de la table. Tu es à l'école. T'es pas chez toi, sur le canapé. Bubble? Je suis là. Qu'est-ce que tu fais sous ton bureau? J'étais en train d'attacher mes chaussures. Mes parents m'ont offert de nouveaux baskets, de marque Yeezy. Sois pas si heureux, ce sont des faux. C'est pas des faux, ce sont des vrais originales. Moi, je suis là, en passant. Toi, reste calme, personne t'a rien demandé. Tout le monde se fiche de savoir si t'es là ou pas, le nouveau. Amina? Où est Amina? Quelqu'un l'a vue? Elle devrait bientôt arriver. Steph, t'es sa secrétaire? Je vais marquer Amina comme étant absente. Molly, appelle Amina et dis-lui de venir rapidement. Mandy va la marquer comme absente. Ok? Salut! Les amis, j'ai une super nouvelle pour vous tous! Quoi? Ah, les amis, un célèbre réalisateur français va visiter notre école! Il va faire un film sur notre campus! Quel réalisateur? Mandy, t'as mal entendu? Un réalisateur célèbre! Enfin, le jour est arrivé! Ça fait depuis que je suis toute petite que je rêve d'être actrice! Ouais! Mais au lieu de ça, t'es devenue vendeuse de pop-corn! Ne fais pas la maline! Tu ne peux rien faire d'autre que t'embrasser avec ton Bensi dans les toilettes du campus, toi! En passant, tout le monde, il y a une réduction sur le pop-corn au café aujourd'hui. Elle expire demain, alors dépêchez-vous! Ferme-la, loser, mange-le toi-même, ton pop-corn. Je voudrais bien, mais Ponka me l'empêche. Amina, tu sais si on va tous jouer dans le film français ou seulement toi? Quoi? T'es folle, Olivia! Je fais que demander, c'est tout. Il y aura un casting, Olivia. Seuls les plus talentueux et ceux qui ont le physique de modèle apparaîtront dans le film. Ça signifie que je serai certainement dans le film, je suis très talentueuse et j'ai un physique de mannequin. Je suis le tout en un. Il va me choisir. Il n'y aura pas de film sur le campus. Sauf bien sûr si moi et Camille, on peut jouer le rôle d'un couple amoureux. Mandy, et t'as pensé à me demander si je voulais jouer un couple amoureux avec toi, hein? Pas la peine. Tu le feras si je te dis de le faire. Oh, Mandy, je t'aime. Je t'aime, Camille. Puzzle, c'est pas drôle. Maman, je suis au boulot. Arrête de m'appeler, d'accord? Je suis un adulte et j'ai plus besoin de toi. Bye. Bobol, c'était ta mère? Ouais, elle me traite encore comme si j'avais 5 ans. Ma mère ne m'appelle pas, moi, parce qu'elle sait que je suis un grand garçon, indépendant. Arrête de faire le malin, Goofy. Je sais que ta maman t'appelle, je l'ai vu. Ça fait 2 jours qu'elle m'a appelé. Tiens, Bobol, enfile ce costume, d'accord? Quoi, cool, un nouvel uniforme? Pas exactement, c'est seulement ton uniforme. Un costume d'hamburger? Mais pourquoi c'est moi qui dois le porter? Parce que je fais maintenant toi un coursier. Ça veut dire qu'on va livrer de la nourriture sur le campus? Pas seulement le campus, mais dans tout le quartier. Et tiens, prends ça, Bobol. Ce sac est aussi pour toi. Et ça, ce sont les prospectus. Tu dois les distribuer sur tout le campus pour que tout le monde sache qu'on fait maintenant des livraisons. Commander notre nourriture pour être de meilleure humeur, c'est quoi ces conneries? Pas des conneries. J'ai veillé toute la nuit pour trouver ce slogan, tu sauras. Et qu'est-ce que tu fais encore là? Dépêche-toi! Des gens affamés t'attendent! Allez! Qu'est-ce que tu regardes? Tu vas prendre une douche? Qu'est-ce que ça peut te faire? Mandy, on peut rater la dernière leçon. Pitié! Livraison, livraison! Qui a besoin de livraison? Oh, salut les filles, on offre maintenant des livraisons au campus. Recule, Bobol! En quelle langue je dois le répéter? Je vous le dis, vous ne pouvez pas sécher les cours, c'est compris? Mais nous nous sentons si malades! Oui, on fait de la fièvre! De la fièvre, toutes les deux en même temps! Bien sûr, on est des jumelles après tout! Ok, vérifions si vous avez vraiment de la fièvre ou si vous ne faites que mentir. Pas de fièvre? Et pas de fièvre, toi non plus!
Alors dites-moi, j'ai écrit imbécile sur mon front, c'est ça? Non. Alors dépêchez-vous d'aller en classe avant que je n'appelle le directeur. Oh là là, j'aime bien cet endroit. Jean-Paul, par ici. Désolée, mademoiselle, je suis bien au campus. Qui êtes-vous? Laissez-moi me présenter. Je suis un célèbre réalisateur de films. Je suis venu de France pour faire un film sur votre campus. Appelez-moi François. Et lui, mon assistant, Jean-Paul. Bonjour. Enchantée, Mandy, l'administratrice du campus. Nous vous attendions. J'aimerais observer les adolescents du campus et les voir en action pour choisir le plus talentueux. Je pourrais vous faire visiter le campus si ça vous intéresse, mais je dois passer un petit coup de fil, juste un moment. Oui, allô, Mandy? Choc, viens ici tout de suite, je dois m'absenter pour quelques minutes. D'accord, Mandy, mais tu pourrais m'apporter du papier hygiénique, je t'en prie. Comment ça, du papier de toilette, Choc? Je peux pas venir, j'accueille le réalisateur français. Bon sang, qu'est-ce que je dois faire maintenant? T'essuyer avec quelque chose d'autre. Crotte, mais qu'est-ce que je vais utiliser? Désolée, je ne peux pas vous faire visiter le campus car je suis au boulot et notre agent de sécurité est une tête de nœud. D'accord, aucun problème. Moi et Jean-Paul allons visiter tout seul. Allez, Jean-Paul. Bubble, distribue ça, t'es un traître. Je parie que Panka est devenue folle. Oh, c'est le casier de Camille! Je me demande ce qu'il y garde. Voyons voir. Je te jure que je suis allé à Disneyland à Paris, 2 fois! Oh, regardez qu'est-ce qu'on a là, les gars! On dirait un petit fouineur! Qu'est-ce que c'est que ça, Bobol? Ouais, loser, t'es devenu fou! Oh, les gars! J'ignorais que c'était le casier de Camille, je faisais que distribuer ses prospectus. T'es pas très bon menteur! On dirait qu'on vient d'attraper un voleur sur le campus! Bobol, t'es en train de voler quelque chose de mon casier? Quoi, moi? M'accuser de vol? Sympa, va chercher la poubelle, tu veux? Quelqu'un va avoir une punition. J'y vais tout de suite. Qu'est-ce que j'entends? Pourquoi vous avez besoin d'une poubelle? Les gars, arrêtez! Je suis pas un voleur! Ouais, ouais, c'est ça. Dis-le à tes amis. Allez, referme-la. Oh là là, Jean-Paul, allume la caméra, il va se passer quelque chose. Laissez-moi sortir, j'ai peur du noir! Oh, bonjour. Puzzle, je crois que c'est le réalisateur français. Ah, comment allez-vous? Mais laissez-moi sortir, j'arrive pas à respirer. Bonjour. Oh, bonjour, nous filmons un film sur le campus, ne vous laissez pas distraire. Jean-Paul, approche-toi un peu. On était en train de répéter. Oh ouais, on avait une scène où on avait perdu notre clé dans une poubelle et notre ami nous aidait à la retrouver. Pas vrai, Bubble? Ah ouais, c'est ça! Bubble, est-ce que t'es fatigué de vivre? Non, regarde ce que j'ai, c'est votre clé. Jean-Paul, je crois que ça suffit. Allons filmer plus loin. Oui, oui. T'as une idée géniale, cette histoire de clé. Ah ouais, cool, t'as failli nous dénoncer devant le réalisateur, toi, espèce de taré. Retourne dans ta poubelle. Zut! Je suis encore arrivée au mauvais moment. Y a plus d'eau. Pas de douche pour moi aujourd'hui. Oh là là, j'aime bien. Comme c'est beau. Continue à filmer, Jean-Paul. Ne rate rien, tu veux? Regarde ces couleurs. Oui, je filme tout. Oh, une fille, tu étudies au campus? Oui, j'étudie ici. Vous êtes le réalisateur français? Je ne suis pas qu'un réalisateur, je suis un réalisateur célèbre. Fantastique. J'ai du contenu très intéressant pour votre film. Vous voulez le voir? Oh, bien sûr que si. Parfait, alors suivez-moi. Jean-Paul, continue à filmer. Oui, oui, oui. Pardon, où est le contenu? Un instant. Ah! C'est quoi ce bordel? Souris, idiote. On est en train de te filmer. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Sortez d'ici tout de suite! Oh, pardon, mademoiselle. Jean-Paul, sortons d'ici. C'est bien mérité. Ce n'est que le début en passant.
Tu vas me le payer, maudite sorcière. Les amis, le réalisateur français est arrivé. Il va maintenant venir annoncer les conditions du casting. Bonjour, je suis un réalisateur de films et je viens de France. Je m'appelle François. Et aujourd'hui, nous allons filmer un film sur le campus. Oh, j'ai déjà fait sa connaissance. Il m'a dit que j'étais un grand acteur et qu'il m'emmènerait dans son film assurément. Hein? Pas question, Bubble. Qui distribuera les prospectus à ta place si t'es dans le film, hein? Pas Dylan? Ah, oublie ça. Aujourd'hui, je vais choisir l'acteur le plus talentueux pour mon film. Alors, préparez-vous. Vous êtes tous prêts? Jean-Paul, suis-moi. Pousse-toi. Hé, tout le monde! Qui a osé me voler mes vêtements? Les amis, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche pour nous revoir bientôt. Bye! Say no.